Le hold-up parfait. C'est un peu comme ça que l'on pourrait qualifier la victoire de Sebastian Vettel pour ce premier Grand Prix de la saison. Parti 3e, l'Allemand ne pensait sûrement pas réussir à s'imposer au vu du début de la course. Mais la sortie de la voiture de sécurité virtuelle a rebattu les cartes, permettant au pilote Ferrari de décrocher le premier succès de la saison. Hamilton peut nourrir des regrets, Raikkonen aussi car dès le départ, c'est plutôt de Kimi Raikkonen que Lewis Hamilton a dû se méfier. Sergio Marchionne, qui appelait Iceman à se réveiller cette saison, a dû exulter à l'extinction des feux. Le Finlandais a lancé l'assaut sur Hamilton, auteur d'un départ moyen. Si le Britannique est parvenu à conserver l'avantage, Raikkonen est resté dans les temps de la flèche d'argent. En tentant l'undercut, Ferrari a ensuite poussé Mercedes à calquer sa stratégie sur la sienne et à rappeler prématurément le champion du monde en titre au stand. Un retour anticipé qui a finalement fait les affaires de Sebastian Vettel. Par la voiture de sécurité virtuelle déployée alors qu'il était en tête, a forcé ses adversaires à ralentir suffisamment pour lui laisser le temps de changer ses gommes et ressortir en tête. Nous avons eu un peu de chance avec la safety car, a d'ailleurs reconnu Vettel sur le podium. As, la vraie perdante du jour, la voiture de sécurité virtuelle a été déployée dès le premier Grand Prix de la saison suite au double abandon As. Coup sur coup, les deux pilotes de l'écurie américaine ont dû garer leur monoplace sur le bord de la piste. La faute dans les deux cas à une roue mal fixée après leur passage au stand. Une bien mauvaise opération pour As alors que Kevin Magnussen et Romain Grosjean figuraient dans le top 5 au moment de leur abandon. Le résultat complet du Grand Prix d'Australie on a aimé, Vettel qui relance le suspense, avouons-le, malgré le panache de Raikkonen, la victoire de Lewis Hamilton semblait écrite. Mais la bonne stratégie de Ferrari lors de la VSC a relancé les débats et l'intérêt de la course. Une fois bien installé en tête, l'Allemand a mis du temps à se débarrasser de son rival, nous laissant espérer une lutte jusque dans les derniers hectomètres de la course. Alonso et sa 5e place, après la qualification, l'Espagnol avait annoncé vouloir finir 5e ce dimanche. Une prédiction qui avait bien fait rire dans le paddock. Il a pourtant réussi son pari. Misant sur une McLaren performante en milieu de peloton, le taureau des Asturies a ramené de beaux points à son écurie. Grosjean, vrai leader de Haas, il a perdu gros. Alors qu'il pouvait viser un top 5 ce dimanche, le Français a dû garer sa voiture. La faute à un écrou de roue mal serré. Pourtant, malgré la déception, Romain Grosjean a été remonté le moral de ses mécaniciens, dépités. Un vrai comportement de leader, a mis lieu des nombreux reproches à l'encontre de sa voiture dont il nous avait habitués la saison dernière. La première réussie de Leclerc, le rookie monégasque n'a pas manqué ses débuts. Certes, il a fait la course en fond de peloton. Certes, sa « connerie », comme il a lui-même qualifié, du départ lui a coûté deux places dès les premiers hectomètres de la course. Mais il a rejoint l'arrivée en 13e position, engrangeant de l'expérience et de la confiance. On n'a pas aimé, assez le gain de temps qui coûte cher, l'écurie américaine n'a pas encore communiqué sur la raison de ces mauvais serrages de roues. Est-ce une erreur humaine, ou un problème avec les pistolets de serrage? Quoi qu'il en soit, à vouloir réaliser l'arrêt parfait en un minimum de temps, Haas a perdu 22 points au championnat. 22 points qui pourraient coûter cher en fin de saison. Verstappen, pas vraiment dans le coup, on ne l'a pas reconnu. Peur d'un mauvais envol, le Néerlandais n'a jamais affiché le rythme dont on le sait capable. En difficulté avec ses pneus qu'il avait surchauffés à force de surconduire, il est parti à la faute au milieu de la piste, perdant de précieuses places. Sixième à l'arrivée, il va devoir se réveiller. Force India, alors là, c'est la déception de ce début de saison côté écurie. Pas dans le rythme, englué dans le ventre mou du peloton, avec 0 points à l'arrivée, on se demande où ont bien pu passer nos panthères roses préférées. Déjà en deçà lors des essais hivernaux, l'écurie n'a toujours pas trouvé la solution à ses problèmes.